Ok, j'en ai toutes mes utiles. C'est beaucoup plus bien pour ce rendez-vous. Bonjour et bonsoir. Est-ce que tu es ici par un rendez-vous avec moi? Parfait. Bien sûr. Je m'appelle Sissi Desjardins. Je suis artiste de maquillage. Enchantée. Vraiment, quelle belle, belle nuit aujourd'hui. Eh bien, si je me rappelle bien, sur mon portable, tu m'as envoyé un email pour un rendez-vous. En haute couture, en look d'haute couture avec le maquillage. Est-ce que c'est vrai? Parfait. Et pour les corrections, quel est ton nom? Parfait, merci. Donc, et tu as déjà payé pour ce rendez-vous, donc on est beaucoup plus préparé. Donc, mon ange, s'il te plaît, assis-toi et je vais prendre soin de toi aujourd'hui. Oui, je te promets. Donc, pour commencer, as-tu envie de boire quelque chose, peut-être de la bière ou du vin? Rien de tout. Ok, je comprends. Donc, pour commencer, je dois laver le visage avant d'appliquer le maquillage, ok? Est-ce que je peux toucher le visage un petit peu? Je dois analyser ta peau. Parfait. Parce que je veux pas ajouter quelque chose qui n'est pas bon pour ta peau. Ok. Et tu as-tu des problèmes avec les pores? Peut-être les pores affinés ou peut-être des taches partout du visage? Ok, donc je dois utiliser le maquillage non comédogénique pour toi aujourd'hui et peut-être beaucoup moins illuminé que d'habitude. Ok, je sais ce que je vais faire. Eh bien, pour le premier chose, j'ai un petit peu d'antonique de la marque Célodier et c'est un shake tonique pour les pores affinés, mais c'est tout simplement c'est sur ce son de thé. Donc je dois ouvrir cette boîte. Ok, et regarde, on mélange ce chose tout simplement. Oui, je viens de Montréal. C'est parce que je parle ça, donc peut-être c'est un petit peu bizarre pour toi, mais tout simplement on parle la même langue. Donc je dois acheter quelques
Parfait, c'est beaucoup plus légère. Maintenant, c'est le temps pour le lotion, pour le visage. Quelque chose non combien de génie. Donc, j'ai quelque chose pour toi. Eh bien, je vais l'acheter. Et mon ange, ce rendez-vous, c'est pour quoi? Oh, c'est pas un rendez-vous, je comprends. Donc, je vais faire mon mieux pour toi, ok? Donc, avec ce lotion, je vais taper le lotion pour tout le visage, tout simplement. Donc, ce look, c'est beaucoup plus frais parce que maintenant la peau c'est plus brillante. Ça a l'air beaucoup plus frais. Donc, maintenant, avec un autre chose de assez lundi, c'est quelque chose qui va marcher plus bien. J'ai un fond de teint, mais le couleur de ce fond de teint change avec le couleur de ta peau et beaucoup plus mieux avec l'utile que j'ai acheté ta Célodie. Donc, ok, je vais acheter sur la main comme ça. La luminosité, c'est magnifique, ça brille avec la peau, mon Dieu, c'est merveilleux, je rigole pas. Donc un petit peu de bleu sur la main, mon Dieu, ce look, c'est beaucoup plus haute couture, c'est merveilleux. Ok. Parfait.
maintenant, j'ai la cache-cerne. Et le couleur va changer avec le couleur de ta peau. Donc, je vais y ajouter tout simplement donc, sur le doigt du sein. Ok, pour le moment ça marche. Maintenant, pour le petit rougeur ou tache pour tout le visage, donc. Et un petit pas sur le sourcil. Ok. Facile. C'était beaucoup plus facile. Maintenant, je vais utiliser ce pinceau pour les caches cernes et tout simplement. Parfait. On continue avec l'essentiel. Donc, je dois créer un look plus fin. Ok, beaucoup plus mieux peut-être un mélange des deux couleurs. Choup, 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 choup. Ok. Et désolé le sourcil, un petit peu d'highlighter, illuminateur, donc Fairy et Glistening, si je me rappelle bien pour le nom. Désolé le sourcil. Et je vais créer un look plus haut. Donc, je pense que je dois commencer avec un brun base. Choup, choup, ok. Un brun. Choup, 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 ok. Maintenant, sienne et peut-être.
ce maquillage. J'ai un miroir devant